heavens he planted his crop. The Egyptians, who loved to draw, represented Earth as a reclining. Bien que les sciences occultes n'ont à première vue aucun rapport avec les sciences de l'espace et l'aéronautique, l'histoire de la conquête spatiale est paradoxalement très profondément liée à l'ésotérisme et à la sorcellerie. En effet, la NASA est née de l'initiative de l'ancien nazi Werner von Braun. Dr. Werner von Braun. A voyage around the moon must be made in two phases. Et de Walt Disney, dont nous avons déjà souligné le haut degré d'initiation, ou de contre-initiation, dans les précédents dossiers de cette série Réveil. Ces deux protagonistes se sont associés au début des années 50 pour créer une série de dessins animés présentés comme pédagogiques à la télévision ainsi qu'à la Maison Blanche afin de convaincre l'opinion et le président Eisenhower de créer la NASA. Ces dessins animés anticipent le déroulement des aventures spatiales des décennies à venir avec une précision déconcertante. We will leave Moon Shadow at 124 hours 14 minutes. Bill, what does the contour mapper indicate? Disney et les nazis ont en commun un profond intérêt pour l'ésotérisme. Disney n'était par ailleurs pas hostile au nazisme. En 1939, il déroulait encore le tapis rouge pour la cinéaste phare du Troisième Reich, Leni Riefenstahl. Hitler, quant à lui, adorait les Disney, considérant Blanche-Neige comme le meilleur des dessins animés et se consolant de sa carrière d'artiste déchu en coloriant les sept nains. Les nazis étaient connus pour leur pragmatisme scientifique, aussi rigoureux qu'efficace et avant-gardiste, notamment dans l'aéronautique avec la tristement célèbre fusée V2 de von Braun, qui servira de base au développement de la conquête spatiale américaine. Some would spiral crazily up and then plummet down. Paradoxalement encore, les nazis pouvaient tout aussi bien œuvrer dans les sciences aux occultes pures, au travers par exemple de la société de Thulé, ou bien mélanger les genres, en mariant aéronautique et pseudo-science, comme le confia l'ingénieur Willy Ley. Willy Ley. Here Mr. Ley explains the operation of a rocket motor. Au sujet de la controversée société Vril, Maria Orsic et ses supposées relations avec l'inventeur de génie Nikola Tesla. Ce mélange des genres s'exprime particulièrement au travers de l'astrologie, qui fait le pont entre l'ésotérisme et le spatial. Le récent clin d'œil de la NASA lors de l'expédition New Horizons vers Pluton n'est pas passé inaperçu. Pluton en anglais se dit Pluto. Disney révéla en effet l'apparition de son personnage en filigrane sur les clichés de la planète. La NASA n'est pas la seule institution américaine à baigner dans ces domaines. La NRO, pour National Reconnaissance Office, est plus discrète, mais néanmoins extrêmement importante. Elle est en charge d'envoyer les satellites des différents programmes institutionnels américains dans l'espace. Avec un budget équivalent à celui de la NSA et de la CIA réunis. Malgré son culte du secret, cette institution nous en laisse entrevoir beaucoup au travers de ses badges de mission, arborant tous une imagerie ostentatoirement liée à la sorcellerie. Ou bien la succursale JPL de la NASA pour Jet Propulsion Laboratory, créée par Jack Parsons. Institution qui a hérité de la fascination de son fondateur pour l'occultiste controversé Aleister Crowley,
et son adhésion à la religion Téléma, créée par ce dernier, que nous avons évoquée dans les précédents dossiers de réveil. Ou bien encore le Pentagone, dont le nom et la forme du pentacle constituent la base de la magie cérémonielle. Mais quel est donc le rapport avec Elon Musk, figure emblématique de la conquête spatiale et de Mars en particulier? Serez-vous surpris d'apprendre que Von Braun avait écrit un livre traitant de la conquête de Mars en 1952 et dont le personnage principal, empereur de Mars, s'appelait Elon? Dans le dessin animé réalisé avec Disney, on voit une fusée dotée du curieux nombre de 29 réacteurs. And its 29 motors will lift the entire weight of the ship. Tout comme le fera plus tard Elon Musk sur la fusée Falcon Heavy, produite par sa société SpaceX, en la dotant de 29 réacteurs. Le réacteur emblématique de cette société s'appelle Merlin, en hommage au mythique magicien gallo-celte et personnage enchanteur fétiche de Disney. I plan to cheat, of course. Use magic. Every last trick in the trade, if I have to. Comme nous l'avons vu dans le documentaire sur le 11 septembre, le chiffre 29 symbolise la flèche, ou la fusée, et son franchissement de l'abîme, d'une rive à l'autre, d'une tour à l'autre tour. I have somewhat of a plan. The only thing left was selecting a date. 29 minutes étant le temps qui sépare l'effondrement des deux tours à New York. C'est aussi le temps que doit mettre le train hypersonique Hyperloop d'Elon Musk pour aller de New York à Washington. Un dossier dédié au nombre 29 est à venir, tant nous avons à peine effleuré le sujet. Musk n'a pas à rougir devant la NASA en matière d'ésotérisme. Prenez par exemple le signe du Capricorne, représenté par une tête de bouc. Animal qui incarne l'exploit unique et inatteignable. Là où tout le monde échoue, il arrive seul à gravir le sommet de la montagne. C'est le même archétype que pour le spermatozoïde, seul parmi des millions à atteindre l'ovule. C'est pourquoi le signe du Capricorne a lui aussi une flagelle. En revanche, le signe attribué à l'ovule est celui du Cancer. Tendre à l'intérieur et dur à l'extérieur, comme l'œuf, l'ovule. Le Cancer est gouverné par la Lune, dont le cycle menstruel gouverne aussi l'ovulation. Comme nous l'avons déjà vu, l'entrée dans le signe du Capricorne débute le 23 décembre. C'est pourquoi, le 23 décembre 2017, la société SpaceX envoya une fusée dessinant un spermatozoïde se dirigeant vers la Lune, dans le ciel d'Hollywood. Le point de rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde est l'utérus, dont la forme archétypale est celle du Capricorne. Archétype repris pour le logo de la marque de voiture Tesla d'Elon Musk. L'utérus est un organe réceptif yin, comme le signe du Capricorne, gouverné par la planète Saturne, elle aussi yin. Mais la planète d'exaltation du Capricorne est Mars, la planète d'Elon Musk, la planète de la combativité,
à qui le spermatozoïde vainqueur doit sa survie. La planète intendante du Capricorne est Uranus, le dieu du ciel. Nous retrouvons en effet le trigramme du ciel du Yi Qing, que nous avons vu précédemment, ainsi que la couleur rouge de Mars, dans la marque Tesla. Notre personnage, incarnant le génie du spectacle et de la high-tech, qu'est Elon Musk, a choisi son camp. Préférant habiter à Bel Air, aux alentours d'Hollywood, plutôt que dans la Silicon Valley. Les choix technologiques et géographiques des lancements de SpaceX semblent en effet donner priorité à la dimension spectaculaire du rituel de masse, plutôt qu'aux contraintes de l'aérodynamique. Le fait qu'un start-upper avisé, risquant son propre capital, fasse passer ses exigences techniques au second plan, surtout dans un domaine où le moindre détail peut entraîner un raté, si fréquent dans l'aéronautique, nous en dit beaucoup sur l'importance de l'aspect occulte et rituel pour Elon Musk. Cet aspect avait été mis en avant de façon encore plus criante lors de la satellisation de la décapotable Tesla Roadster, qui jouait en boucle une chanson de David Bowie. Artiste revendiquant son intérêt pour l'occulte, déclarant puiser son inspiration dans la cabale afin d'accéder au mauvais côté du cerveau. Et à Aleister Crowley, qui n'hésite pas à nommer explicitement dans ses paroles, conjointement au nazi Heinrich Himmler. Elon Musk est lui aussi fasciné par le monde de la création artistique et de sa fusion avec la symbolique ésotérique. Cela se voit dans la nomenclature de ses projets, comme nous l'avons vu avec Merlin, ou encore le nom des foreuses de son entreprise de tunnel. Ainsi que dans ses relations, les plus connues étant la musicienne Grimes et l'actrice hollywoodienne Amber Heard. Maybe that's for the best. L'histoire d'amour entre Elon Musk et Hollywood est réciproque. Le cinéma américain avait en effet déjà rendu hommage à son poulain. Elon Musk est, comme sa planète, Mars, associé à l'élément fer. C'est l'homme de fer. En anglais, Iron Man. Entrepreneur de génie, excentrique et accessoirement l'homme le plus riche du monde. Au cas où le message n'ait pas été assez clair, les studios Marvel de Disney ont fait apparaître Elon Musk dans Iron Man 2, interprétant son propre rôle au sud-est de la France. Nous y reviendrons. Même si le vrai Elon n'est pas autant rebelle face aux institutions militaires que l'est son alter ego Iron Man. En effet, le personnage du self-made man, Musk, n'a pas seulement été catalysé par Disney, mais a aussi bénéficié de beaucoup de soutien de la part du gouvernement américain. Profitant de nombreuses largesses financières, prêts avantageux, subventions, réductions d'impôts, soutien logistique, aide à la consommation pour ses clients, etc. Sauvé de la faillite par ses contrats avec la NASA, dont il est encore majoritairement dépendant, de même qu'avec les départements de télécom ou de l'énergie.
Comme le souligne l'analyste Dan Dolev dans le LA Times, il va clairement là où se trouve l'argent du gouvernement. Il se prête aussi à envoyer dans l'espace les programmes satellitaires douteux de la très occulte NRO. Mais le gros du morceau étant surtout sa dépendance envers les contrats de sous-traitance de l'armée américaine. Cette dernière, à qui on doit la mise en place après-guerre du terreau que deviendra la Silicon Valley, ne rougit pas trop non plus quant à sa collaboration avec Hollywood. C'est à se demander qui sert vraiment qui. Entre les institutions américaines et le personnage hollywoodien d'Elon Musk, élevé avec leurs hormones de croissance financière. Le jeune Musk ne vient pas non plus de nulle part. Ayant grandi dans un milieu très aisé, avec un père richissime, propriétaire d'une mine d'émeraude en Afrique du Sud. Ce père, dénoncé comme sans vergogne par Elon lui-même, déclara même « On avait parfois tellement d'argent qu'on n'arrivait même plus à fermer notre coffre-fort. » Mais il est surtout issu d'un milieu influent et très marqué idéologiquement du côté de son grand-père maternel. Il est en effet le petit-fils de Joshua Haldeman, figure éminente du mouvement pseudo-scientifique de chiropractie et leader du mouvement technocratique du Canada. Idéologie psychorigide et froide, selon laquelle la société doit être dirigée par une aristocratie d'experts, où la liberté individuelle passe après les compétences, qu'elles soient réelles ou autoproclamées. Liberté dont Elon Musk se réclame pourtant aujourd'hui le défenseur. Les technologies transhumanistes comme celle de sa société Neuralink, visant à fusionner la psyché humaine avec l'électronique, sont certes présentées pour leurs bénéfices médicaux et thérapeutiques, mais cette dystopie transhumaniste a surtout séduit nombre d'idéologies totalitaires construites pour le concept d'un homme nouveau, au rang desquelles on ne compte pas uniquement l'idéologie nazie, qui n'a elle-même jamais réellement disparu. It will enable anyone who wants to have superhuman cognition. Joshua Haldeman était aussi président du Parti Crédit Social du Canada, ayant pour objectif de favoriser les personnes considérées comme les plus utiles à la société. Cette connivence entre les institutions, les scientifiques et les projets militaires, dont le revers public de la médaille ne peut rêver d'un meilleur VRP qu'Elon Musk, ne s'arrête pas qu'au domaine de l'ésotérisme et du spatial. L'Amérique n'a jamais caché avoir hérité de son avancée technologique de la récupération de scientifiques nazis à l'occasion de l'opération Paperclip. We got all those scientists. Yeah. The Russians didn't. Well, they got some. Some, not very many. Operation Paperclip was what brought over the what Wernher von Braun, who was, when you talk to Jews that were in Berlin during the time that Wernher von Braun was running his rocket program there, he would hang the five slowest Jews in front of the rocket factory in Berlin just to give everybody motivation to work harder. Yeah. As the Simon Wiesenthal Center said that if Wernher von Braun was alive today, they would prosecute him for crimes against humanity. Yeah. He was a Nazi, straight up Nazi. L'Amérique est un peu moins fière lorsqu'il s'agit d'admettre que les voyages spatiaux habités ont été rendus possibles par les connaissances des nazis acquises au cours d'expérimentations qu'ils ont menées sur la capacité de résistance du corps humain, avec comme cobayes les prisonniers des camps de concentration. Et elle est carrément timide sur la récupération d'autres compétences scientifiques nazies, comme celles acquises dans les camps dans le domaine du contrôle mental. Le rêve américain se nourrit aisément de la conquête spatiale, mais a plus de mal à vendre à son public le contrôle mental. À moins que le rêve de la conquête spatiale soit lui-même du contrôle mental. Interplanetary mission.
Toujours est-il que le premier programme de contrôle mental américain, initié après-guerre par la CIA, portait le nom de Code Bluebird, l'oiseau bleu. Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, n'a jamais caché son intérêt pour l'occultisme, ni même carrément pour le penchant maléfique de ce domaine. Il se vante dans l'un de ses tout premiers tweets de lire la Bible satanique, sous fond de référence aux moires, les trois tisseuses mythologiques, manipulatrices du destin de l'humanité. Le tout agrémenté de private jokes pédocriminels qu'il serait malvenu de détailler ici. Le 23 décembre 2013, 4 ans jour pour jour avant le spectacle rituel d'entrée dans le signe du Capricorne d'Elon Musk, Jack Dorsey intégrait le conseil d'administration de Disney. Il gazouilla à cette occasion sur Twitter une citation de Disney disant que « tout ceci a été initié par une souris ». Thématique défendue dans le guide du voyageur galactique, dont Elon Musk avait placé une copie dans la boîte à gants de son Roadster, satellisée à la sauce crowleyienne de David Bowie. Ainsi que le slogan du film « Don't Panic » affiché sur le tableau de bord. And this is where we find ourselves with Elon Musk about to buy Twitter. Yeah, I saw that. Apparently it's going down. It happened. Oh, shit! What? Oh, shit! The press release has been announced. Elon Musk just bought Twitter. We got a movie star type of a superhero. It's like a movie. Like if you had a movie and there was a guy who was like a hero in the movie who happened to be a billionaire, does wild shit, like makes his own rockets and drills under the city and... That's electric cars fucking and then buys Twitter. Insane. Elon Musk agrees to buy Twitter in a $44 billion deal. Agreement to take social media network private marks the close of dramatic courtship. Here's why that's going to be interesting. Yeah, tell me. I need to hear what you think. He believes that free speech is important, and not just important, vital for a democracy, for a functioning democracy. Est-ce uniquement son amour pour la liberté d'expression qui a motivé Elon Musk à se positionner pour le rachat de Twitter? Creusons un peu. Le nom de la marque Tesla est emprunté au génial inventeur Nikola Tesla. Sans aller jusqu'à spéculer sur les confidences du collègue allemand de Von Braun dans son livre « Pseudoscience au monde des nazis », liant la société du Vril avec Maria Orsic et Nikola Tesla, il existe un faisceau d'indices et de protagonistes plus intéressants convergeant sur ces cachotteries. Go back to the 1940s. The inventor Nikola Tesla died in 1943. The FBI was called in to vet his inventions to make sure there was nothing dangerous there that could fall into enemy hands. And they called an MIT electrical engineering professor, a very esteemed one named John Trump. Now, it turns out that that John Trump is, in fact, the uncle of the President of the United States. Ce lien n'est pas sans importance. Donald Trump, le détenteur du plus célèbre compte censuré par Twitter. Ayant martelé à qui voulait l'entendre qu'il devait tout à son oncle, notamment de par son héritage génétique. My uncle was a great professor and scientist and engineer, Dr. John Trump, at MIT. Good genes, very good genes, okay? Very smart. Friedrich and Elizabeth Trump were both born in Karlstadt, Germany. Du fait que ton oncle soit d'origine allemande, Donald, et les nazis jamais bien loin de cette affaire, on se serait bien passé de cette précision suprémaciste. Comme nous l'avons vu dans notre documentaire sur le 11 septembre, les ailes d'oiseau font référence à Mercure, le messager des dieux. Est-ce pour cela que Trump déploie ses ailes pour parler du messager?
toujours dans cette même diatribe cryptique de 90 secondes qui questionna beaucoup les journalistes. I would have said, it's all in the messenger. Nous développerons tout ça dans un futur dossier consacré à Donald Trump. Mais ce dernier n'est pas le seul président impliqué dans ces sujets. L'ancien acteur hollywoodien Ronald Reagan, lui-même féru d'occultisme, plaça en orbite le programme militaire américain, connu sous son nom de code hollywoodien de « Programme Star Wars » contre la Russie. If we were facing an alien threat from outside this world, and yet I ask you, is not an alien force already among us? И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, эти самые зеленые человечки. Марьян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодан с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. You must understand there's not a whole lot of human beings like you. You know that, right? To you're an oddity. Seems, yes. To chimps like me. We're all chimps. Yeah, we are. We're one notch above a chimp. Some of us are a little more confused. When I watch you doing all these things, I'm like, how does this motherfucker have all this time and all this energy and all these ideas, and then people just let him do these things? Because I'm an alien. That's what I've speculated. Yes. I'm on record saying this in the past. I wonder. It's true. Oh, you're trying to give me a hint that there are aliens. No, I'm trying to tell you I don't know. Oh. But if we were visited someday, I wouldn't be surprised. I just hope... Vous non plus ne soyez pas surpris si vous voyez débarquer les extraterrestres. Et surtout, prenez bien soin de vérifier que ce n'est pas une opération de contrôle mental. Think of it as, imagine we were going to be visited... Imagine you're very confident that we were going to be visited by super intelligent aliens in, let's say, 10 years or 20 years at the most. Super intelligent. So you think within 20 years we have alien and Earth? Well, digital super intelligence will be like an alien. It will be like an alien. Yeah. But my question... Elon Musk dit lui-même que l'enfermement de l'âme dans la réalité virtuelle ne peut pas fonctionner. Le sujet étant trop conscient de sa condition et l'appareillage trop lourd. I don't see someone strapping a friggin' screen to their face all day and not wanting to ever leave. It seems no way. La résolution de la lourdeur de l'appareillage est justement la mission qu'il a donnée à son entreprise Neuralink, qui permettrait de fusionner le système nerveux à l'électronique de façon transparente par des implants. The solution that seems maybe the best one is to have an AI layer. If you think of like you've got your limbic system, your cortex, and then a digital layer, a sort of a third layer above the cortex, that could work well and symbiotically with you. I mean, just as your cortex works symbiotically with your limbic system, your sort of a third digital layer could work symbiotically with the rest. This is something that's surgically inserted? Implanted in your skull. So, but it would be flush with your skull. So you basically take out a chunk of skull, put the Neuralink device in there. You'd put the electrode, you'd insert the electrode threads very carefully into the brain, and then you stitch it up, and you wouldn't even know that somebody has it. You're already a cyborg. You don't even, well, most people don't realize they are already a cyborg. That phone is an extension of yourself. It's just that the data rate, the rate at which
of the communication rate between you and the cybernetic extension of yourself that is your phone and computer is slow. It's very slow. And that is like a tiny straw of information flow between your biological self and your digital self. And we need to make that tiny straw like a giant river. We recently watched Totoro with him, Studio Ghibli. Yeah. And it's just like a fantastic film. And he like responded to, I know you're not supposed to show baby screens too much, but like just like having this roller coaster of like emotions. You're already a cyborg. You're not supposed to show baby screens too much. It basically implanted in your skull. So, il dénonce aussi l'intelligence artificielle comme étant la plus grosse menace pesant sur l'humanité. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Les locaux de Neuralink se trouvent par ailleurs dans les mêmes locaux que OpenAI, sa structure de développement en intelligence artificielle. C'est la thèse soutenue dans la saison 2 de la tout aussi loufoque qu'ésotérique série Futureman. Talk to me. Un milliardaire misanthrope de Los Angeles veut capturer les âmes humaines dans un monde virtuel Where is everything? Hébergé dans une matrice informatique. Oh. The tech behind this is stupendous. Ooh, good one. The science is beyond. Mais il se heurte au fait que les humains ne soient pas séduits par son projet et surtout qu'il est impuissant face à leur libre arbitre. Your death will not be for nothing. Well, it took 4,891 eggs to make this omelet. The subject must always enter the system willingly. It's always the most obvious thing. Even though I kind of got it. Il décide donc, comme Elon Musk, de créer un voyage interplanétaire vers la planète Mars. Hey, Jimmy. You excited about the Mars launch? You bet, Stu. Check out the new suit. First boy on Mars. No one can take that away from you. Aventure séduisante pour laquelle les humains se bousculent à participer. Mars dwellers! Today is an historic day for you. Sauf que... There's something I think I should tell you. I'm trying to find the right words. You can tell me anything. You know this whole plan to relocate humanity to Mars? Yeah. Well, technically, I don't mean the planet Mars. Mars actually stands for Mankind's Automated Reality System. That's where I took you today. So you're gonna upload everyone? I really did want to take us to Mars. That was the original plan. But as it turns out, transporting the entire human race to another planet is damn near impossible. So I developed an alternative, which honestly is far superior. Okay, so why the spacesuits and the rockets and the, I mean, clearly misleading acronym? The upload only takes, the subject goes willingly. The idea of transferring your consciousness scares a lot of people, but a journey to Mars, that sounds like a fun adventure. Les humains, séduits par l'appétissant cookie, acceptent sans lire ce que signifie réellement Mars.
constituant ainsi leur libre arbitre et tombant comme des mouches dans le filet qui leur est tendu. De la même manière qu'il nous faut garder l'œil ouvert si l'on nous dit que les Martiens débarquent chez nous, restons vigilants si l'on nous dit que c'est nous qui débarquons chez les Martiens. Have you always wanted to climb the mountains of Mars? But now you're over the hill? Then come to Recall Incorporated. C'est aussi la thèse soutenue dans Total Recall de Paul Verhoeven. Cheaper, safer and better than the real thing. So don't let life. Dans lequel Arnold Schwarzenegger se paye un voyage virtuel sur Mars. Mais il y a un bug. Il est peut-être effectivement parti sur Mars, mais il ne sait plus si cela fait partie du scénario du voyage virtuel dans lequel il est enfermé, ou bien s'il est vraiment sur Mars, dans le monde réel. Swallow this. What is it? It's a symbol of your desire to return to reality. Dans l'arbre de vie de la Kabbale, Mars est associé à la Séphira Gebura, aussi appelée Din. Dans l'assemblée primitive égyptienne, elle est associée à Seth, le Satan égyptien, l'assassin d'Osiris. Mars, tout comme le Soleil et Jupiter, est associé à l'élément feu. De ces trois astres, celui qui est le plus intégralement représentatif du feu reste malgré tout le Soleil. Comme nous l'avons vu en détail dans le dossier numéro 2, le couple feu-soleil étant intimement lié au nombre 666. Ayant fait fortune avant l'éclatement de la bulle Internet à la fin des années 90, le start-upper Steve Outram profita de son statut de très jeune retraité pour se donner à fond dans sa passion, le festival annuel pyrotechnique de Burning Man à Black Rock City, la pierre noire, dans le désert du Nevada. Spectacle pour lequel même l'œil le plus inexpérimenté démasquera un rituel luciférien. Et pour ceux ayant vu nos dossiers précédents, la forme du sablier, le temps, Chronos, Satan. Il créa le site burners.me qui devint rapidement référence en la matière, devançant même le site officiel du festival. Alimenté en permanence par Steve d'informations exclusives, de photos, de vidéos et d'interviews de derrière les fagots, révélant l'envers du décor du festival. Mais au fil des interviews, Steve finit rapidement par tourner en rond, tombant toujours sur les mêmes personnes, gravitant elles-mêmes toujours autour des mêmes sujets et provenant des mêmes milieux. La Silicon Valley, le Pentagone et l'occultisme. Il finira par devenir le premier détracteur du festival, dénoncé par lui comme étant la devanture technologico-artistico-cérémonielle du complexe militaro-industriel marié à la Silicon Valley à destination du grand public. En effet, avant d'être déplacé dans le Nevada, Burning Man prit naissance à San Francisco. C'est au cours d'un de ses premiers rituels que fut lancé Google, en 1996, qui possède d'ailleurs aujourd'hui le festival.
Now I'm going to test you numerology skills. You drop the zero. Drop the zero. Seven. La première page d'accueil customisée de Google était pour Burning Man avec le O jaune au niveau du plexus solaire dont nous avons déjà découvert la signification. Google développe le navigateur Chrome dont le logo était en 666. Le feu de Burning Man. Google finançait aussi en parallèle son populaire concurrent Firefox de la fondation Mozilla de San Francisco, nommé en hommage à Godzilla. Comme nous l'avons vu dans le dossier précédent, la gématrie de Fox est 666. Another 666, because Fox, so F is the sixth letter of the alphabet. O is the 15th, 5 plus 1 is 6, X is the 24th letter of the alphabet, 4 plus 2 is 6, 666 Fox. So, I'm sure a lot of people here know that, but... Firefox signifie donc le feu 666. Le logiciel s'appelait auparavant Phoenix, l'oiseau renaissant de ses cendres. Le personnage clé de la fondation Mozilla est un Joy Ito, un des tout premiers utilisateurs de Twitter de 2006 et premier investisseur. Il a dû démissionner du MIT Media Lab pour avoir accepté des financements du pédocriminel Jeffrey Epstein, qui finançait en effet les ingénieurs et les scientifiques les plus renommés de la planète, à hauteur de 200 millions de dollars par an, afin qu'il développe des robots pilotés par intelligence artificielle, dotés d'apparences et d'émotions humaines, impossibles à différencier des vrais humains. En parallèle de quoi, il corrompait ses inventeurs dans des affaires de mœurs avec des mineurs. Digital intelligence will be able to outthink us in every way, and it will soon be able to simulate what we consider consciousness. Do you know where you are? Of course. I'm in New York City, and I'm on my favorite show, The Tonight Show. Le financement d'Epstein destiné à Joy Ito avait été dissimulé par l'entreprise de Bill Gates. Jeffrey Epstein may be dead, but this story isn't. A shocking new report from the New York Times sheds light on the connection between Microsoft founder Bill Gates and the late Jeffrey Epstein. After Gates' name came up in connection with Epstein and MIT Media Lab, Gates gave a statement to the Wall Street Journal where he insisted he did not have any business relationship or friendship with Epstein. But new reporting from the New York Times outlines numerous meetings between Gates and Epstein and a conversation with Bill and Melinda Gates' foundation, a connection between their foundation and JP Morgan to set up a charitable fund that would financially benefit Epstein. You know what I want to know? Why? Joining me now, one of the New York Times reporters from this story, James B. Stewart. Gates says, no relationship, nada, nothing. You report these two men met at least six times. What does Gates say about that? Well, I believe that there were more, and he and his spokespeople would not say how many in total they actually met. But this included visits to the mansion, seeing each other in Seattle, flying on Epstein's plane, when we all know Bill Gates has his own $40 million plane. And then, as an investigative reporter, the
why would Gates say, oh, I had no relationship with him, when of course he knows what the facts are? So that always sets off red flags for me. He also has one of the largest, most established foundations on his own. Yes. Why would they ever set up a charitable trust benefiting Jeffrey Epstein? Well, what's the explanation? Not only does he have the world's largest charitable foundation, but one of their primary missions is to help young women in underprivileged countries. Jeffrey Epstein was preying on young women from Eastern Europe, from South Africa, luring them into his web. It's the antithesis of what the Gates Foundation stands for. And by the way, there were Gates Foundation employees who were horrified when they realized what Jeffrey Epstein had done and were saying, we don't want to have anything to do with this, and yet the project went on. Epstein et Gates ont un profond intérêt commun pour l'eugénisme. Epstein avait mis en place un ranch dans lequel il devait inséminer 20 femmes qui auraient eu l'énorme privilège, selon lui, de porter et de propager le code génétique hors du commun naturellement contenu dans son propre sperme. Law enforcement sources say several accusers have come forward in New Mexico, where Epstein owns a sprawling ranch. According to a new report published in the New York Times, not verified by NBC News, Epstein wanted to use the ranch for controlled breeding, using his DNA to improve humanity. Citing two award-winning scientists and an advisor to large companies and wealthy individuals, the article reports Epstein surrounded himself with leading scientists and would tell them he wanted to have 20 women impregnated at a time on the ranch. When you went and met with Jeffrey Epstein a year and a half ago, I read your piece. You knew straight out of the gate something didn't add up. It smelled foul. Bill Gates didn't notice that? One of the smartest guys in the world. I mean, he's a registered sex offender, and after I rang the doorbell, it opens, and there is a beautiful young woman standing there who I didn't think was 16, but she could have been, 19 or something, and I thought, whoa, a sex offender has a beautiful young woman opening the door. So I didn't even have to go through the door before I realized there's something really weird going on here. Le père de Bill Gates faisait quant à lui partie de la société eugéniste américaine. Dans la lignée, son fils, Bill, est un féru du contrôle de la surpopulation, ainsi que le plus grand promoteur au monde des vaccins ARN qui agissent au niveau du code génétique des cellules. First, we've got population. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. The final solution, which is a year to 2 years off, is the vaccine. So we've got to go full speed ahead on all three fronts. Just to head off the conspiracy theorists, maybe we shouldn't call the vaccine the final solution. Even though I kind of got it after seven murders, Dr. Hoogeveen insisted on showing me all 4,891. Ah, she was thorough that way. She walked me through my father's plan to enslave us all. Stu sees humanity as a problem. This is his solution, his final answer to the problem. So we tell everyone we don't go. Anyone who refuses to go to Mars gets killed by this. Okay, it's scary, but we can kill one robot. He has 12 million of these. Sorry. Today, as we face the serious problems of overpopulation and depletion of natural resources, the possibility of Mars becoming a new frontier is of increasing importance in our plans for the future. Bill est tout aussi obsédé par le soleil que ses compères, mais de manière plus défiante. Elon Musk fait au contraire de l'énergie solaire son fer de lance, avec l'aide des financements de Google. Il se plaît aussi à exhiber sa pyromanie au travers de jouets polémiques, tels que le lance-flamme de sa Boring Company. Mais quand il s'agit d'éviter les polémiques, Jeffrey Epstein, conseiller de Tesla,
c'est se mettre en retrait. Les prototypes des premières Tesla étaient d'ailleurs déjà présentes à Burning Man, bien avant leur mise sur le marché. Elon Musk en sera le président d'honneur pour l'édition de 2025 et admet publiquement que le festival et la Silicon Valley sont une seule et unique chose. En 2020, l'entreprise Microsoft de Bill Gates déposa un brevet immatriculé 666. You drop the zero. Drop the zero. Seven. Permettant de surveiller l'activité physique des personnes grâce à des périphériques corporels, comme ceux développés par Neuralink d'Elon Musk. Les personnes sont rémunérées avec de la crypto-monnaie en fonction des données envoyées par ces périphériques de surveillance corporelle. Elon Musk est aujourd'hui considéré comme un des plus grands acteurs du monde de la crypto-monnaie. Son grand-père était leader de la Technocracy Inc., prétendant changer le monde grâce à des réformes monétaires. Il était aussi un des leaders mondiaux de la chiropractie, qui se base entièrement sur le système nerveux, tout comme les implants Neuralink de son petit-fils. To install the Neuralink, a tiny piece of skull is removed and the Neuralink is slotted in to sit. Pour finir, il était président du Parti du Crédit Social au Canada, visant à récompenser économiquement les citoyens considérés comme les plus utiles à la société. C'est justement au Canada que fut expérimentée l'application Carotte Récompense, qui donne des avantages aux citoyens en bonne santé, à jour de vaccination, accomplissant des actions considérées comme bonnes. Carotte Rewards, ou Carotte Récompense, ça sonne toujours mieux que bâton punition. Mais là encore, restez vigilants. Ça peut toujours se renverser. Marchant dans les pas de son grand-père, Elon Musk avait présenté cette fusion entre les réformes monétaires, l'homme, les robots et l'intelligence artificielle au sommet du gouvernement mondial en 2017. You can think of the limbic system, kind of the animal brain or the primal brain, and then the cortex, kind of the thinking, planning part of the brain, and then your digital self as a third layer. I think the bigger, I think we'll just end up doing universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have If you're not needed, if there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. Les algorithmes seront les entités les plus puissantes du monde. Depuis des millénaires, nous, les humains, étions les dirigeants du monde. Les autorités et le pouvoir vont glisser des humains vers les ordinateurs. Et la plupart des humains vont devenir économiquement inutiles et sans pouvoir politique. À partir de maintenant, nous voyons la création d'une nouvelle classe sociale, les inutiles. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioners, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? Comme le démontre Steve Outrin, le Pentagone est partout derrière Burning Man, tout comme il est à l'initiative du développement de la Silicon Valley. Le tracé panoptique du festival se trouve en effet contenu dans un pentagone, et une partie conséquente de la logistique
y compris l'accès à Internet, est fournie par l'institution militaire. C'est d'ailleurs au département de recherche avant-gardiste du Pentagone, DARPA, que l'on doit la création d'Internet. DARPA avec qui Elon Musk collabore, main dans la main avec le PDG de Google. DARPA se vantait publiquement, dès 2012, d'être capable de pirater totalement l'électronique d'une voiture. The most ingenious attack, though, used the stereo system in the car. The researchers were able to craft an electronic version of a song that played just fine in your home stereo system or on your personal computer. But when you put that on a CD and played it in the car CD player, it took over total control of your automobile. Autant dire qu'ils doivent adorer le pilotage automatique des voitures Tesla fabriquées par leur copain Elon. Et s'accommoder du parallèle récurrent et assumé fait entre ce dernier et le constructeur automobile hitlérien à la moralité flexible, Henry Ford. You know, there's only two car companies in the history of American car companies that haven't gone bankrupt, and that's Ford and Tesla. The company founded by a man named Henry Ford, good bloodlines, if you believe in that stuff, you got good blood. DARPA a aussi lancé la Brain Initiative, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la feuille de route de Neuralink. L'accès universel à l'Internet de DARPA, partout sur Terre, via la horde de satellites Starlink d'Elon Musk, s'insère tout aussi harmonieusement dans la narration. Si DARPA a inventé le net, le web, ou World Wide Web, a lui été inventé par le CERN, à l'est de la France, dont le logo est constitué d'un 666, et le nom, un hommage à la divinité gauloise cornue, Cernunnos, incarné par l'animal solaire du cerf. Le CERN n'a pas pour autant à rougir devant Burning Man en matière de rituel. Opa.
Comme nous l'avons vu précédemment, les lettres V et W correspondent à la lettre Vav de l'alphabet hébreu, qui correspond elle-même au chiffre 6. Le www du World Wide Web correspond donc au 666, comme le CERN qui l'a fait naître. Emboîtant le pas aux voitures VW, VAV, VAV, VAV 666 de Volkswagen, créée par l'ami d'Henry Ford, Adolf Hitler. En anglais, les termes net et web signifient filet, étoile. Drôle de nomenclature pour des outils présentés comme émancipateurs de l'humanité et garant de la liberté individuelle, si chère à notre ami Elon. Toile et filet correspondent bien à la sorcellerie arborée par le NRO, à qui Elon fournit de bons et loyaux services, et qui ne doit pas voir d'un mauvais œil son réseau Starlink. Heureusement qu'Elon aime l'humanité. I love humanity. I think it's great. Qu'il est là pour nous prévenir et nous protéger des possibles dérives de la capture des âmes humaines au travers de son interface Neuralink par la méchante intelligence artificielle qu'il développe dans le même bâtiment. Que nous soyons amenés à y être piégés en croyant être emmenés ailleurs, initiating journey to Mars. Ou bien que nous soyons déjà dans un monde virtuel simulé, comme le laisse penser Elon. We are most likely in a simulation. Ce paradigme est un mensonge. Where are you? Where are you really? Right. You aren't anywhere. Well, where is? You're in the computer. Pourquoi vouloir emmener l'humanité aux confins de l'espace, Elon, alors que tu n'es même pas sûr d'être quelque part? This notion of place or where is is a flawed. Yes. En effet, n'importe quel occultiste sait faire la différence entre l'intelligence d'un côté et l'inventivité, l'initiative, le libre arbitre ou encore la créativité de l'autre côté. Ce sont deux concepts totalement opposés. Comme nous l'avons déjà vu dans les dossiers précédents au sujet des 50 portes de l'intelligence avec la Sephira Binar. L'intelligence, qui est associée à cette séphira, est un concept purement yin, passif et matriciel. En revanche, l'initiative est un concept yang, associé à la séphira opposée, Hokmar. L'intelligence, artificielle ou non, n'a aucune capacité intentionnelle, ni de nuire, ni même de faire le bien. L'intention, elle, vient de celui ou ceux qui pilotent l'intelligence. Que cette intelligence soit celle de la matrice spatio-temporelle qui régit les lois, immuables et neutres, de l'univers qu'elle contient et dans lequel nous évoluons, ou bien qu'elle soit l'intelligence d'un supercalculateur, lui-même soumis aux lois de la matrice spatio-temporelle dans laquelle il se trouve. Binar est aussi associé à la compréhension. Comprendre signifie « prendre avec soi ». C'est une faculté réceptive, yin. La matrice reçoit des instructions, elle n'en donne pas. En anglais, « comprendre » se dit « understanding », c'est-à-dire littéralement « se tenir au-dessous », être en position de recevoir. Les lois yin de cette matrice sont froides, neutres, obéissantes, fiable,
éternelles et impitoyables. Que ce soit les lois de la chimie, de la gravitation, de l'électromagnétisme, de la thermodynamique, etc. Le libre arbitre Yang, qui oriente le déroulement de l'histoire de l'univers, se manifeste à l'échelle quantique. Au moment précis où les infinies possibilités offertes par la matrice sont arrêtées sur un choix particulier, par un procédé quantique appelé réduction du paquet d'ondes, faisant qu'une particule va s'orienter dans une direction plutôt que dans une autre, et influencer ainsi le cours des événements. Une particule subatomique, lorsqu'elle se déplace d'un point à un autre, le fait en empruntant en même temps tous les chemins possibles. Mais quand on tente de mesurer où elle est, celle-ci se réduit soudainement en un point. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. Tout comme un écrivain dispose d'une infinité de mots dans le dictionnaire, mais il oriente le déroulement de la narration à chaque fois qu'il en choisit un nouveau, pour le figurer sur le papier à la suite du mot précédent. Chaque électron, depuis la sortie du canon jusqu'à son arrivée, s'est comporté comme une onde. Il a voyagé tout au long du trajet, sans position précise, comme s'il était à plusieurs endroits à la fois, surfant partout en même temps sur une onde de probabilité de présence. L'électron a continué de voyager jusqu'au mur dont la présence l'a contraint à se manifester, à se réduire en une particule ayant une position cette fois-ci bien précise. L'écrivain et sa plume d'oie sont créatifs. Yang. Le papier est réceptif. Yin. On sait depuis les années 90 que l'intelligence, la matrice spatio-temporelle de l'univers, est incapable de déclencher la réduction du paquet d'ondes lorsqu'elle est livrée à elle-même. Le livre ne s'écrit pas tout seul. C'est la raison pour laquelle l'intelligence, Yin, artificielle ou non, n'est pas la vraie menace. La menace potentielle vient de l'initiative Yang qui contrôle l'intelligence. Cette initiative est en rivalité avec le libre arbitre de l'humanité, qu'elle ne peut neutraliser que par la ruse. C'est le cas de figure que nous avons tous vécu devant les administrations technocratiques. Lorsque nous exprimons une requête humaine et légitime, elle nous est refusée, prétextant que « c'est pas moi, c'est l'ordinateur ». Ceci est un mensonge. L'ordinateur, la matrice, la carte mère et Yin, elle n'y est pour rien. C'est une initiative Yang, ayant des intérêts contraires aux vôtres, qui a souhaité ce comportement de l'ordinateur. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a listened. Scene in a movie Nobody where listened. The robots are going to fucking take over and you're freaking me out. Nobody listened. Nobody listened. No one. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. And therefore there needs to be a public body that has insight and then oversight. I have to say that when something is a danger to the public, then there needs to be some government agency, like regulators. Like some evil dictator of the country could send their intelligence agency to go steal it and gain control. I
think we can fix a lot of our problems more easily with technology than with, you know, fighting the powers that be. Notre cher Elon, qui vit sous perfusion gouvernementale, veut davantage de contrôle gouvernemental et de technocratie. Quelle surprise! Avec des comités d'experts, si chers à son grand-père. Lorsqu'on annonce une catastrophe à laquelle on a largement contribué, pour imposer une solution déjà décidée en amont, cela porte un nom. La stratégie problème, réaction, solution. Soyez donc vigilants, chers amis humains. Gardez un œil sur l'oiseau bleu. Mais d'où vient cette référence à l'oiseau bleu? Comme nous l'avons vu dans les dossiers précédents, ces gouvernants sont obsédés par la mythologie, égyptienne en particulier. Selon Anton Parks, l'oiseau bleu serait le vaisseau spatial d'Osiris. Ce dieu égyptien aurait été découpé en 14 morceaux par son frère ennemi, Seth, le Satan égyptien, associé à Mars. Les 14 morceaux ayant été réadaptés en 14 étapes dans le chemin de croix de Jésus. Le corps d'Osiris aurait été reconstitué par Isis, la matrice féminine, Binar, l'intelligence. The women are smarter right now than the men. À partir du phallus d'Osiris. Phallus. Donnant ainsi naissance à Horus, le dieu avec une tête de rapace, un faucon. Faucon se dit Falcon en anglais, comme les fusées de SpaceX. Et rapace se dit Raptor, comme les moteurs alternatifs au moteur Merlin de SpaceX. Raptor fait aussi référence à Rapture, l'enlèvement de l'Église. Moment crucial de l'Apocalypse où les fidèles s'élèvent dans les nuages à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'autre nom d'Horus est l'oiseau tonnerre, ou Thunderbird en anglais. L'oiseau bleu, le messager des dieux qui transmet les messages à elle déployée. I would have said it's all in the messenger. Fellas, and it's fellas because you know they haven't figured that the women are smarter right now than the men, so you know. Comme nous l'avons vu dans le dossier précédent, les mots liés à l'aspect maléfique de la force Yin commencent par le préfixe Sat, comme Saturne, Satan ou saturé, c'est-à-dire atteindre les limites, l'obstacle, l'adversaire, Satan. Alors que les mots liés à l'aspect bénéfique du Yin commencent par Mat, comme matrice, maternelle ou mathématique. Ces deux aspects se trouvent sur le pilier Yin de l'arbre de vie de la Kabbale. Comme le Yin et le Yang, les aspects bénéfiques et maléfiques sont parfois opposés, liés, intervertis ou confondus. L'aspect maléfique est associé à Satan, Saturne, le Capricorne. Et l'aspect bénéfique est lié à Isis, le signe de la Vierge, c'est-à-dire la Vierge Marie, ou encore le Saint-Esprit. Ces deux aspects occupent les places de Binar et Gebura, aussi appelés Din. Même s'ils sont très différents, ils peuvent, dans une certaine mesure, être permutés dans cette représentation. Cet aspect bénéfique du Yin est célébré le 15 août pour l'Assomption. C'est pourquoi l'armée américaine bombarda le pont du village de Pont-Saint-Esprit le 15 août 1944. Les bombardiers lâchent un tapis de bombes sur Pont-Saint-Esprit, heureusement quasi désert. Par un heureux hasard, le jour du bombardement est aussi celui de la fête de la Vierge, et de très nombreux habitants en ont profité pour se rendre à la campagne.
Les bombardements font 19 morts. Quant aux dégâts matériels, ils sont colossaux. Le pont est partiellement détruit, le centre-ville n'est plus qu'un champ de ruines. Pont Saint-Esprit est meurtri, son précieux pont est irrémédiablement estropié. Ce village du sud-est de la France s'appelait justement autrefois Saint-Saturnin. Et 7 ans plus tard, jour pour jour, dans la nuit du 15 au 16 août 1951, la CIA empoisonna le pain de ce même village avec du LSD dans le cadre du projet Bluebird, donnant lieu à la tristement célèbre affaire dite du pain maudit. L'affaire du pain qui rend fou. T'as mis quoi dans ton pain? Arrête! Tu crois quand même pas que c'est le pain qui t'a mis dans cet état? T'en as mangé? Bien sûr. Enfin, non, je sais plus, non. Non, pas celui du 15 août. Arrête de me regarder comme ça. Selon le chercheur John Irvin, le maître d'œuvre du projet Bluebird serait l'écrivain Aldous Huxley. Bluebird deviendra par la suite le projet MKUltra. Est-ce que vous vous intéressez, je sais que vous vous intéressez beaucoup aux sciences, est-ce que vous vous intéressez entre autres à la psychiatrie? Beaucoup. Je m'intéresse d'abord médicalement, parce que après tout c'est un des grands fléaux de l'humanité. Il est de toute importance d'avoir une solution à ce problème. Après tout, en ce moment, plus de la moitié de tous les lits d'hôpital des États-Unis sont occupés par des fous. Et on s'intéresse, je m'intéresse énormément médicalement à ce problème, mais aussi, aussi parce que on peut, avec la psychiatrie, explorer cet énorme territoire inconnu de l'esprit humain. En tant que romancier, alors cela peut vous intéresser? Oui, et je crois que ce serait une chose idéale pour un romancier, si la discrétion le permettait, d'être psychiatre et puis d'écrire des histoires sur ces malades. Ce ne serait pas extrêmement délicat ni moral, mais probablement il gagnerait énormément comme romancier. Vous avez exprimé des opinions aussi assez catégoriques sur le problème de la surpopulation. Cela vous paraît un des grands maux qui menace l'humanité? C'est évidemment, ça représente des problèmes énormes. Huxley habitait lui aussi dans le sud-est de la France et était, comme Aleister Crowley, grand fan de Balzac. Mais en littérature, vous avez dû avoir des maîtres. Est-ce que vous vous reconnaissez des maîtres en littérature anglaise ou française? Surtout en France, Stendhal et Balzac. Et puis il faut voir aussi une chose qui n'est pas très connue. Pour Crowley, le romancier français préféré de Crowley, c'est Balzac. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, j'ai traduit récemment un texte de 6 pages par Crowley sur Balzac, et où il développe, où il trouve que carrément, Balzac, quand il décrit l'être humain dans la comédie humaine, il sait vraiment voir toute l'humanité d'une manière globale, si tu veux. Balzac, féru d'occultisme et d'alchimie, dont nous avons souligné le rôle clé au cours du dossier précédent. Ainsi que sa femme, envers qui l'occultiste Eliphas Lévi, auteur du célèbre Baphomet, vouait une admiration sans bornes, qu'il déclara dans un de ses livres dédiés à Rabelais, de qui Aleister Crowley prétend tenir la création de sa religion Téléma. Ces textes résultent donc des 15 jours que Crowley a passé à Meudon sur invitation de Rodin, et les titres des poèmes sont le titre des sculptures sur lesquelles... Aldous Huxley mourut le même jour que le président Kennedy, le 22 novembre 1963. Lui aussi d'une mort non naturelle, euthanasié au LSD.
le grand-père de Jackie Kennedy, était par ailleurs natif de Pont-Saint-Esprit. Nous verrons tout cela plus en détail dans de prochains dossiers. Comme nous l'avons déjà étudié de façon très approfondie, le défi majeur de l'humanité est de remonter de la Terre au ciel, le long de la colonne vertébrale, qui est aussi la base de la pseudo-science chiropratique, axée sur le système nerveux, du grand-père d'Elon. Du périnée à la pomme d'Adam. D'oméga vers alpha. De 9 à 11. De la séphira numéro 9, Yesod, à la séphira numéro 11, Da'at. En passant par le feu du plexus solaire. La séphira numéro 6, Tiferet. La montée ou la descente le long de la colonne vertébrale sont représentées par un ou deux serpents. Le système nerveux est électrique. C'est pourquoi le serpent chargeur de Tesla est en forme de colonne vertébrale, dont la tête, Da'at, rejoint le derrière, Yesod, de la voiture. L'analogie est assumée sans ambiguïté par Elon. It's a snake bot charger. It's a snake charger that automatically plugs into your car when you get home. This looks a little wrong. That really looks like the thing that jacks into the back of Neo's head in The Matrix. Right. All right? Is that thing going to attack me in my sleep? I wouldn't, for the prototype at least, I would recommend not dropping anything when you're near it. Okay. All right. Comme nous l'avons vu, le 9 peut s'exprimer de façon trinitaire en 999, tout comme le 6 en 666, et le 11 en 11111. Yesod est associé à l'hexagramme numéro 27 du Yi King, c'est-à-dire 9 plus 9 plus 9, ainsi qu'au signe du cancer, à la lune et à la lame 18 du tarot. Tiferet est associé au soleil, à la lame 19 du tarot, et ses rayons à la divinité Apollon. L'interaction entre la lune et le soleil s'exprime depuis Yesod dans le chiffre 69 du cancer. Mélange du 6 et du 9, du yin vieux et du yang vieux, du yi king. L'interaction s'exprime aussi depuis Tiferet, 6 plus 6 plus 6 faisant écho au 18 de la Lune. L'étape Lune-Soleil étant passée, les rayons d'Apollon permettent d'atteindre le 11 de Da'at. C'est pourquoi Kennedy décida de la date butoir pour la conquête de la Lune par Apollo 11 à 1969. Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely. Le 20 juillet 1969 contient effectivement le 27 de la Lune. You drop the zero. Drop the zero. Ça va? Le 19 du Soleil et le 69. L'étape de l'interaction Lune-Soleil. L'étape suivante est effectuée par Apollo, jusqu'au 11 de Da'at. On remonte ainsi du 9 au 11. C'est pourquoi le 11 juillet 1969,
c'est-à-dire 9 jours avant l'alunissage d'Apollo 11, David Bowie sortit la chanson Space Oddity, qui sera ensuite jouée en boucle dans la décapotable satellisée par Elon Musk. Les trois étapes Yezod Tiferet Da'at sont les trois étages de la fusée Saturn V des missions Apollo. Inaugurée un 9 novembre, 9-11, mesurant 110 mètres de haut, d'un diamètre de 10,1 mètres et équipée de 11 moteurs. You drop the zero. C'est-à-dire le 11-11-11 de Da'at, totalisant les 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Le 11 de Da'at est associé à Uranus et le 5 à Mars. La fusée Saturn V symbolise donc Uranus, Mars et Saturne, les trois planètes qui définissent le Capricorne. Le bouc, qui, comme la fusée, réalise l'exploit d'atteindre un sommet inaccessible. L'empoisonnement du pain à l'ergot de seigle, composant de base du LSD, provoque l'ergotisme, caractérisé par un démembrement dénommé feu de Saint-Antoine. Les bombardements font 19 morts. Quant aux dégâts matériels, ils sont colossaux. Le pont est partiellement détruit, le centre-ville n'est plus qu'un champ de ruines. C'était les mêmes symptômes, le corps brûlant, des douleurs abdominales, des hallucinations, de l'agressivité, et on a mouru, hein. Et si vous voulez vous renseigner, allez voir le tableau du peintre Jérôme Bosch, La Tentation de Saint-Antoine, tout est dedans. Le docteur Gabay court chercher un livre sur Jérôme Bosch à la bibliothèque, le tableau est stupéfiant. Il montre un village en proie aux flammes. Et au milieu, des hommes monstrueux, les membres gangrénés, les yeux écarquillés, des fous. C'est troublant. C'est très troublant. Le tableau ressemble à la nuit de l'Apocalypse. Jérôme Bosch, lui-même membre de l'illustre confrérie de Notre-Dame. Selon Anton Parks, le prénom du père de Jésus, Joseph, signifie le corps démembré d'Osiris. Joseph, Youef, c'est le corps en égyptien, c'est le corps d'Osiris avec lequel Isis va créer Horus alors que Osiris est mort. Souvenez-vous de Joseph d'Imambro ou Joseph le démembré, le tristement célèbre fondateur de l'ordre du Temple solaire dont nous avons parlé dans le dossier précédent. Il se trouve qu'il est lui aussi natif de Pont-Saint-Esprit et qu'il y exerçait déjà ses talents de contre-initié véreux dans les années 50. Le musc, ou musk en anglais, est sécrété par une glande située au niveau du périnée, Yezod, la lune, chez le cerf porte-musc. Le cerf, le roi de la forêt, l'animal solaire associé à la divinité Cernunnos que nous venons de voir.
le lion, le roi de la savane, ou Léon en espagnol, est l'animal solaire par excellence. Mais c'est aussi l'anagramme de Elon, avec le préfixe L, qui, comme nous l'avons vu dans le dossier précédent, signifie divinité. Oh God, that's good. Qui donc a choisi ton nom de famille, Elon Musk? Et ton prénom? Qui a fécondé l'oreille de Von Braun de ce verbe pour son personnage d'Empereur de Mars? Qui l'a soufflé à tes parents, Elon? Do you know where you are? You're in a dream. You're in my dream. N'est-ce pas toi qui devrais sortir de la matrice plutôt que de vouloir y enfermer les autres? Un joueur, même avec des cheat codes de sorcier, reste un joueur. Oh, Maynard! I plan to cheat, of course. Use magic. There's this Terrence McKenna quote that I've found that I fucking love. Uh-huh. Am I allowed to swear on here? Yes. Nature loves courage. You make the commitment and nature will respond to that commitment by removing impossible obstacles. Dream the impossible dream and the world will not grind you under. It will lift you up. This is the trick. This is what all these teachers and philosophers who really counted, who really touched the alchemical gold, this is what they understood. This is the shamanic dance in the waterfall. This is how magic is done. You know, I've worked in deep background positions about which the best, the less said, the better. And then, you know, about 15 years ago, they shifted me into public relations, and I've been there to the present. I am the great and powerful Wizard of Oz. I think part of the reason I'm a technocrat. They want obedient workers. Obedient workers. Mon père voulait je suis technocrate. Parce qu'ils étaient technocrates, c'est une nouvelle race de feignants. She walked me through my father's plan to enslave us all. The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. For the longest time, I wouldn't believe it. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Man. You know? And nobody seems to notice. Nobody seems to care. That's what the owners count on. The fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. So thank you for making the world dream. And thank you for talking today. I really appreciate it. Thank you. The discovery of this supernova has immense significance to the scientific community.
Particles collected date from Precambrian times, before man walked on Earth. Light from the explosion was hurled through space at 186,000 miles per second and is just now reaching us across the vast expanse of the universe.